Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les béliers sur cette saison d'hiver. Donc, une saison d'hiver qui va durer 3 mois, comme vous le savez. Alors, euh, j'ai envie de voir un petit peu ce que le tarot va dire, dans quelle énergie vous allez euh, naviguer, entre guillemets, sur ces 3 mois. Alors, des cartes seront à l'envers, donc pas d'inquiétude, hein, c'est pas négatif quand elles sont à l'envers, c'est juste que l'énergie n'est pas encore posée. Alors, si vous aimez cette vidéo, naturellement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire ou à vous abonner comme vous le souhaitez. Et puis, euh, si vous avez envie de vous abonner, ça sera mon petit cadeau de Noël, si vous regardez ça en décembre. Donc, on est parti. Alors, pour vous les béliers, sur cet euh, hiver 2023-2024, je vais commencer par trois cartes. Déjà, pour voir un peu comment ça, ça évolue pour vous. Alors, on a le pape, qui regarde ce diable. Et derrière, on a quelque part l'as de denier qui se pose. Alors, il est à l'endroit, l'as de denier. C'est plutôt positif, c'est juste que, vous voyez, le pape qui regarde ce diable, je vais en mettre une en dessous pour voir quest ce qui se passe. La lune. Attention, sur le côté, on va dire... Alors attention, entre guillemets, hein, prenez vraiment que ce qui résonne. Mais on voit pour vous les béliers qu'il y a une énergie qui est là. Cependant, il va falloir que ça soit vraiment en accord avec ce que vous ressentez. La lune qui est là, c'est votre côté émotionnel, c'est votre côté, c'est votre monde intérieur. En plus, il est à l'envers, ça veut dire que peut-être euh, dans les relations que vous avez, que vous allez avoir sur ces trois prochains mois, juste euh, soyez bien positionnés. Parce que le pape il regarde, il dit attention, il euh, y a peut-être des choses qui arrivent mais qui ne vous correspondent pas forcément. Il y aura peut-être aussi besoin de couper des choses, peut-être des séparations, alors séparation c'est pas forcément si vous êtes en couple, mais on va dire qu'il y a besoin peut-être de prendre des distances, parce que sinon intérieurement, ça risque d'être compliqué. C'est comme si euh, l'émotion des fois peut prendre le dessus quand vous vous euh, relationnez aux autres. Donc attention à ça. Par contre, vous êtes plutôt bien entouré. Enfin, je veux dire que vous avez quand même des gens autour de vous qui sont, euh, on va dire, c'est un peu contradictoire, mais vous êtes quand même bien entouré. C'est juste votre, votre monde intérieur, des fois, qui n'est pas simple. Donc, attention à ne pas être en tout feu, tout flamme, je fonce et puis je verrai après. Donc, posez les choses. C'est ce que le, le tarot vient vous dire ici. Ok, vous allez avez, vous avez peut-être faire des rencontres, mais voyez si vraiment, intérieurement, c'est des rencontres qui vous euh, remplissent euh, sur le plan émotionnel. Sur le, plan, enfin sur, sur le plan vibratoire, car, carrément sur le plan vibratoire, j'ai envie de dire. Parce que peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous correspondent plus. Vous voyez, même si vous êtes bien entouré, il hein, y, y a aussi des, des belles choses, mais ça va être à vous de, de mettre le curseur au bon endroit sur le plan émotionnel. C'est positif. Hein. En plus, vous avez ce côté vraiment je cherche, je cherche ma place. Donc on rentre en hiver. Enfin, on est en hiver, si vous regardez la vidéo au mois de janvier ou février, mais on est vraiment sur le... Pour vous les béliers, c'est j'ai besoin de, de rentrer avec d'être en accord avec les gens qui m'entourent et sur, mon plan sur le plan émotionnel pour vraiment me positionner Alors, à tous les niveaux hein, travail euh, dans votre couple euh, voilà donc vraiment attention peut-être à cet excès de d'émotion par moment ça peut être ponctuel hein, mais vraiment recentrez vous et vraiment euh, ancrez vous quand c'est comme ça la papesse qui est à l'envers qui tourne le dos à votre place ici hein. même au niveau euh, on va dire sur le plan euh, vous avez l'énergie qui est là, hein, sur le plan, on va dire, physique, il a l'énergie qui est là. Juste attention au plan émotionnel qui qui vous fout pas, le, qui vous fout pas par terre, tout simplement. C'est surtout ça. Donc, la papesse, elle regarde quoi pour vous elle regarde la force. Alors, ça, ça vient un petit peu, j'adore le tarot, mais c'est vraiment le côté, ici, vous avez vu, vous avez ce, ce pape qui regarde ce diable et cette lune à l'envers, et on a, derrière, on a le côté papesse qui regarde cette force à l'envers. Ça veut dire que si vous ne posez pas les choses... Pour moi, cette carte est centrale parce que c'est elle qui va vraiment être le, le socle de, de ces trois mois. On voit que si vous ne posez pas les choses et vous ne restez pas pragmatique, derrière, ça, ça risque d'être compliqué dans les, dans les choses que vous voulez mettre dans vos projets, dans comment vous allez vous relationner aux autres aussi. Et c'est comme si vous les trop maîtriser. Donc on vous dit non, non, non. Regarde, regarde, regarde ce que tu as déjà construit. Quelles sont tes qualités On note. On reste pragmatique. Si le côté émotionnel, c'est trop compliqué. Parce que bah, peut-être une soumission à l'autre, ou une soumission au bien-être de l'autre, ou bien euh, un chantage affectif. Hein, attention à ça aussi. Hein, ça, peut, ça peut arriver sur certains béliers. Euh, alors bien sûr, encore une fois, j'insiste, hein, prenez vraiment que ce qui résonne. Mais on voit vraiment qu'il va falloir euh, vous ancrer un maximum, vous poser. Bah, on vous dit carrément, même euh, on, on, on décélère un peu. Parce qu'on sent qu'il a envie d'y aller, parce que quand je vois ça et ça, on sent vraiment que ça, ça pousse derrière, mais vraiment rester euh, pragmatique. Hop, avec le battleur qui regarde cette lune, même s'il la regarde quand elle était à l'envers... Il peut y avoir par moments, euh, sur certains aspects de votre vie, euh, si vous n'êtes pas calé sur le plan émotionnel, ça peut montrer... Une, il peut y avoir une certaine forme d'immaturité. Ça vient dire aussi, même si vous avez des projets pour demain, parce qu'en hiver, en général, c'est une, une phase d'hibernation, si vous avez des projets pour demain, n'en parlez pas à tout le monde. Mais par contre, il faut que ce soit en accord avec, vos, avec ce que vous ressentez. Donc il y aura peut-être euh, également sur le plan financier euh, des choses qui, qui vont arriver pour vous, mais laissez venir. On voit vraiment que... Attention au contrat aussi. Que ce ne pas des contrats qui ne vous correspondent pas. Sinon, ça risque d'être compliqué sur le plan intérieur. Et essayez pas de pas tout contrôler. Donnez aussi la part de... On va dire, c'est comme quand, vous serre, quand on vous tend la main, c'est la main qui... La, euh, vous vous tendez une main et l'autre main, c'est la vie. Et vous venez vraiment euh, faire, faire confiance à la vie. Essayez pas de trop maîtriser les choses. Vous Parce que sinon, c'est trop dans la tête et après, bah derrière, c'est pas forcément bénéfique pour vous. Alors que si on les retourne, on voit que les choses sont en clair. Euh, si je vous refais le, les cartes qu'on a sur l'endroit, parce que je vous ai fait un acte magique pour, pour, pour vous, les béliers, sur, sur, sur ces trois mois, mais on voit que relationnez-vous par rapport à ce que vous avez envie. Peu importe s'il y a des gens autour de vous qui disent oui, mais tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, es sûr, machin. Ressentez les choses. Redescendez en vous pour vous dire, qui m'aime me suivre J'ai envie de faire ça, je le fais. Pourquoi Parce que j'ai besoin d'actionner les choses, de prendre ma place, et j'ai des projets qui sont là. Donc je ne vais pas laisser de côté mes projets. En plus, c'est des projets qui me correspondent par rapport à ce que j'ai envie au fond de moi. C'est beau, hein franchement, vous avez un beau tirage, les béliers. Et derrière, bah, en faisant ça, vous dites, OK, moi, je suis clair, je note, je, je suis clair et je, je sais ce que j'ai envie, je sais où je vais. Et hop, on regarde devant. Et en plus, vous regardez devant avec cette maîtrise, avec ces OK, je, je sens que j'ai je je, la force. Donc, il n'y a, 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 a pas de problème, en fait. Je suis guidé et je sens que je, je maîtrise bien mon, mon sujet à tous les niveaux, c'est vraiment, vous avez vraiment un beau tirage hein, les béliers, c'est super beau, super positif. Et derrière cette de justice, je voulais la mettre là. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, bah d'office, vous regardez devant et vous vous lâchez les choses derrière qui vous correspondent plus, des personnes, des situations, et ça vous remet tout de suite sur des bases bien saines pour le printemps qui arrive. Je referai une autre vidéo naturellement pour le printemps, mais on voit que ça vous remet à l'équilibre. Et vous êtes très pragmatique. Donc je regarde devant, pas d'émotionnel. Euh, il y en aura un petit peu forcément, mais ça sera, ça sera moins comme des pics qui montent et qui descendent, et que derrière, un, un peu compliqué à gérer. Là, ça sera beaucoup plus doux. Vous voyez, il y a cette forme de douceur qui arrive. Cependant, pour que cette douceur arrive, entourez-vous des personnes vraiment qui vous correspondent, qui parlent quelque part le même langage. Donc s'il y a des gens qui ne vous parlent pas forcément le même langage, même si vous parlez français, anglais, peu importe, voyez. Euh, si euh, ça parle au niveau du cœur. et si vous, vous sentez vraiment à votre place quand vous êtes avec ces personnes là ou les situations dont ça peut être le travail euh, après si vous allez plus loin naturellement je consulte hein, c'est mon site est disponible dans le descriptif de la vidéo mais euh, vraiment euh, c'est hyper positif je vais faire juste trois cartes pour voir hein. je fais un tarot positif pour vous les, les béliers allez voir un petit peu ce que ça dit mais euh, franchement euh, c'est hyper positif donc euh, je suis plutôt content si alors si vous aimez cette vidéo encore une fois n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner et puis on est parti pour les trois cartes pour vous les bélier Alors enfin, je vais faire trois cartes ou peut-être plus, j'en sais rien, on va voir. On voir ce que le tarot dit. Alors, c'est parti. Une, deux, trois. Jusque-là, on est bon. AsDP, justice qui revient. Et d'épée. Ça c'est ce que le tarot vous conseille. Et le, la force. Donc c'est hyper positif parce que je vais regarder quand même. Regarde quoi la force Le mat. Bon je la retourne parce que les cartes sont à l'envers et à l'endroit. Mais là, on est dans un tarot positif. Donc on va faire ça bien. Pour ne pas être embêté, comme on dit. Alors, on voit bien que AsDP qui est là, justice, donc on met les choses au clair. Le tarot vient un conseiller sur ces trois mois de dire restez pragmatique. Euh, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la synthèse de la papeste de tout à l'heure. Vous voyez C'est on reste pragmatique, la tête froide. Toujours cette recherche d'équilibre, pour vous, les, les béliers. En faisant ça, ça vous permet de dire j'ai confiance, j'y vais. Parce qu'en plus, avec le mat qui vient appuyer cette force, qui est, qui est même poussée par la... La, la carte pousse le mat, on y va. Et on va vers quoi on, va vers, on est guidé, on va vers ce qu'on. C'est comme si on était en adéquation avec. Dans l'action, c'est pas que votre tête qui y va, c'est vraiment tout votre corps, mais aussi tout votre côté émotionnel. Ce que vous, ce que vous avez envie au, au fond de vous. N'oubliez pas, tout à l'heure, il y avait euh, ce battleur qui regardait cette lune, qui était ici. Il y avait le battleur qui regardait cette lune. Ça veut oui. dire que vous êtes en adéquation avec. Euh, si vous suivez ces conseils-là, restez vraiment pragmatique. Allez faire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie au fond de vous, et rien d'autre. J'en mets une dernière quand même, parce que j'ai envie de voir, le math, il, il y a, il y a, ça c'est un passage, mais il y aura peut-être un deuxième passage. Le diable, qui était à l'envers au début, vous vous rappelez Sur le premier tirage, donc qui va vers ce diable. Plus vous allez être à l'écoute de, de vos mondes intérieurs, plus vous êtes stable. Si vous allez d'abord. Si vous cherchez d'abord à l'extérieur des solutions, vous pouvez. Hein. Vous pouvez demander des conseils à l'extérieur, mais attention à ce que ça résonne bien, à ce que vous ressentez intérieurement, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué euh, sur le plan émotionnel. Donc, qui même me suit ne veut pas dire forcément j'impose ou je dis ce que, tout ce que je pense. On peut dire ce qu'on pense, mais on met, des, on met de la douceur, parce qu'il y a besoin de douceur. C'est pour ça qu'il y a aussi besoin de stabilité pour vous les béliers sur cet hiver 2023-2024. C'est la fin de cette vidéo. Euh, si vous avez aimé encore une fois cette vidéo, bah, je ne je, je vous dis pas ce que vous avez à faire. Je vous fais confiance. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous regardez la vidéo en décembre ou une magnifique année 2024 si vous regardez la vidéo en janvier. N'hésitez pas à y revenir si, euh, si vous avez oublié certaines choses. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et ciao, ciao!